Les gens essaient de me reprocher de trop parler de mon pays. C'est ce qu'on me reproche, quoi, en fait. Gianni Alpha, tu parles trop de la Guinée. Ah, tu parles trop de la politique guinéenne. Tu veux que je parle de quoi d'autre, frère? Tu veux que je parle de quoi d'autre? Tu veux que je parle de quoi d'autre? Tu veux que je parle de la politique américaine? Tu veux que je parle de la politique française? Tu veux que je parle de la politique européenne? Tu veux que je parle de quoi d'autre? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Guinée. C'est la Guinée qui m'intéresse, rien d'autre. C'est la Guinée qui m'intéresse, rien d'autre, tu vois. Et ça, j'essaie de le faire dans ma musique, dans mes prières. J'essaie de le faire tous les jours. L'amour que j'ai pour ce pays-là, j'essaie de le transmettre, tu vois, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais après, je ne vais pas mentir aux gens juste pour le plaisir de leur plaire. Ça, ce n'est pas moi. On ne m'a pas éduqué comme ça. Moi, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. On m'a appris à dire les choses. C'est-à-dire, je pense que c'est ça. Je le dis comme ça. Parce que je pense que c'est ça. Après, je ne suis pas en train de dire que je suis un détenteur universel de la vérité. Mais quand je pense quelque chose, Dieu merci, mon père et ma mère m'ont appris à l'exprimer. Donc je l'exprime. Je l'exprime. Tu vois, j'ai de l'amour pour la Guinée, je l'exprime. Ce que la Guinée est en train de devenir là, moi, ça ne me va pas. Je l'exprime tous les jours. Tu vois. Après, tu prends ça comme tu veux. Ça, c'est toi que ça regarde. C'est toi et ton éducation aussi. C'est toi que ça regarde. Tu vois. Mais moi, ce que la Guinée est là aujourd'hui, moi, Gianni Alpha, ça ne me va pas. Donc, je l'exprime. Je l'exprime. Je ne veux pas voir, c'est-à-dire les fils de Guinée. Se battre les uns contre les autres. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Donc je l'exprime. Je le chante tous les jours, tu vois. Après, ça te convient, écoute. Ça te convient pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Mais nous, on est arrivé au stade où aujourd'hui, on fait passer les principes avant les intérêts. Yeah. Les principes avant les intérêts. Nous, on est arrivé à ce stade-là aujourd'hui. On fait passer les principes avant les intérêts. D'abord, ce que je pense. D'abord, la vérité. D'abord, le juste. D'abord, l'équitable. D'abord, le normal. Le reste ensuite. Le reste ensuite, tu vois. Et aujourd'hui, le ciel est en train de nous taper tous les jours, tu vois. Nous, Guinéens, le ciel est en train de nous taper tous les jours. Et les gens ne s'en rendent même pas compte parce que... Gars, la Guinée, c'est de... Voilà ce qu'ils ont fait de la Guinée. Voilà ce qu'ils ont fait de la Guinée aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont fait de la Guinée. Tu rigoles du malheur de l'autre. Le Guinéen n'est heureux que quand le Guinéen est malheureux. C'est ça qu'ils ont fait de la Guinée. Yeah. Quand le courant coupe chez toi, tu ne te contentes pas de dire le courant a coupé chez moi. Ça te fait mal quand tu sors et que tu vois que ton voisin a le courant. Yeah. Quand tu te mets à ton balcon, ou bien quand tu regardes dehors et il n'y a pas le courant chez toi et qu'il n'y a pas le courant chez ton voisin, tu es content, ça te va, ça te convient. Yeah. C'est ça qu'ils sont en train de faire de la Guinée. Ça ne me convient pas, je vais le chanter. Je vais l'écrire. Je vais le rapper. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais après, il faut comprendre aussi une autre chose, c'est que le propre d'un patron, le propre d'un nouveau patron, c'est de vouloir ressembler à l'ancien. Yeah. Yeah. Le propre d'un nouveau patron, c'est de vouloir ressembler à l'ancien. Le propre d'un nouveau président, c'est de vouloir ressembler à l'ancien. C'est ça. Yeah. Vous ne trouvez pas que le mandat de 2010 commence à avoir des airs de ressemblance au premier mandat de la 4e République. Si vous, vous ne comprenez pas ça, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Après, les gens vont pas toujours être là, tu vois, pour vous rappeler ce qui ne va pas dans vos vies. Si ça vous convient, c'est vous que ça regarde.
Si ça vous convient, c'est vous que ça regarde. Yeah. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens auxquels ça ne convient pas. Il faut comprendre qu'il y a des gens auxquels ça ne convient pas. Et que ces gens-là vont toujours l'exprimer. Ils vont toujours l'exprimer. So, wake up. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et essayons de faire de. Essayons de faire de ce pays, tu vois, un bon pays. Essayons de donner à ce pays-là ce qu'il mérite. Essayons de lui donner ce qu'il mérite. Des fils dignes, tu vois, des fils dignes. Des fils qui ont envie de le représenter à tous les niveaux et dans tous les sens du terme, tu vois, de manière positive. Tu vois. Essayons de faire ça. Essayons de faire ça. Ne restons pas juste. Ne restons pas juste sur nous. Ne restons pas juste sur nous. Arrêtez de mentir aux enfants. Arrêtez de leur mentir. Quand vous mentez aux enfants, il ne faut pas croire que vous leur cachez la vérité. Non, quand vous mentez aux enfants, vous leur apprenez à mentir. Quand tu mens à ton enfant, tu ne lui caches pas la vérité. Tu lui apprends à mentir. Il faut le comprendre ça. Il faut que le Guinéen comprenne ça. Quand tu mens à l'enfant, tu n'es pas en train de lui cacher la vérité. Tu es en train de lui apprendre à mentir. Tu es en train d'institutionnaliser le mensonge. Quand ça ne va pas, dites que ça ne va pas. Dites que ça ne va pas. Et dites-le sans distinction d'ethnie, de religion, de sexe ou de confession. Dites la vérité. Apprenez à dire la vérité. Ça ne va pas. Le Guinéen ne va pas bien. La Guinée ne va pas bien. Il faut le dire. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Yeah. Si on doit te faire mal, on n'a qu'à te faire mal parce que tu as dit la vérité. On ne doit pas te faire mal parce que tu as menti. Yeah. On n'a qu'à te faire mal parce que tu as dit la vérité. C'est ça. C'est ça. Il faut que le Guinéen comprenne ça. Il faut que le Guinéen comprenne ça. Aujourd'hui, moi, ça me fait rire quand on arrive dans certains dégagements et puis les gens, ils vont se lever pour parler. Ah, toi, tu fais quoi? Guinéen. Guinéen oublie vite. Guinéen a une vraie mémoire de poule. Toi, tu fais quoi? Toi, tu es un rappeur. C'est ça, au fait. Les gens qui pensent pouvoir me faire mal, c'est ça, ils disent quoi, en fait. Toi, tu es un rappeur. Toi, tu fais quoi? Yeah, moi, je suis un rappeur. Moi, je suis un rappeur. Et je suis pas n'importe quel rappeur. Moi, je suis un rappeur. Je suis pas n'importe quel rappeur. Je suis un rappeur. Yeah. J'ai pris ça. J'ai pris ça dans le caniveau. J'ai pris ça dans le caniveau. Dans le plus profond du caniveau. Et puis j'ai lavé ça. C'est devenu de l'or aujourd'hui. C'est devenu du diamant. C'est devenu de la bauxite. Ça commence à prendre de la valeur. Yeah. Je suis un rappeur. Je ne suis pas n'importe quel rappeur. Je ne suis pas n'importe quel rappeur. Tu vois. Les Guinéens doivent apprendre à dire Dieu merci. Il y a des hommes encore qui ont encore des principes. Yeah. Il y a des hommes pour qui encore, tu vois, la morale, ça signifie quelque chose. Il y a des hommes qui acceptent quand même encore, tu vois, d'aller en prison pour que toi, tu te connectes sur Facebook pour les insulter. Yeah. Yeah, le Guinéen doit comprendre ça. Le Guinéen doit comprendre ça. Que même dans tes injures là, pendant que tu es en train d'insulter le gars, il continue quand même à te donner de l'amour. Il continue quand même à, tu vois, à essayer de te transférer de l'amour, quoi, en fait, d'essayer de te transférer de la positivité, d'essayer de te faire comprendre quand même que tu sais, à un moment donné, ce qu'on est en train de vivre là, tu sais, c'est chaud pour toi, c'est chaud pour moi. Gars, viens, on fait les choses bien. Tu l'insultes, mais il continue quand même, il te dit ça encore.
Sinon, à un moment donné, vous savez, si on n'était pas fort dans la tête, là, on allait marcher sur nos principes. Hein. Si Dieu ne nous avait pas bénis de cette bonne éducation-là, et de l'amour de toutes ces personnes, de toute cette positivité-là que les gens ils essaient de nous transférer, là, on aurait marché sur nos principes. Hein. Mais grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Nous, là, c'est les principes avant les intérêts. C'est les principes avant les intérêts, tu vois. So, jeune Guinéen, réveille-toi. Réveille-toi, toi aussi. Réveille-toi un peu. Réveille-toi, arrête de t'embrouiller pour le plaisir de t'embrouiller. Wake up, réveille-toi. Réveille-toi, le monde est en train d'avancer. Le monde est grave en train d'avancer. Tu as vu, on n'est même pas sorti de COVID-19. On est encore en train de te parler de Ebola. On est encore en train de te parler de Ebola. Toi, tu trouves pas qu'il y a une petite ressemblance entre le mandat de 2010 et le mandat de 2021? Tu trouves pas une ressemblance dans ça, là? Comment les mandats ils commencent? Tu trouves pas une ressemblance dans ça? Toi, ça te dérange pas que toi, tu n'aies pas de boulot? Toi, ça te dérange pas? Pendant que le jeune Sénégalais, le jeune Ivoirien, le jeune Camerounais, le jeune Togolais, pendant que eux ils sont en train de travailler, le jeune Guinéen, lui, il est assis, il attend le courant. Toi, ça te dérange pas? Toi, ça te dérange pas que tu sois Peul, Malinké ou Soussou ou Kissi ou Baga? Toi, ça te dérange pas? Pendant que toute la jeunesse africaine est en train de travailler, toi, tu es assis, tu attends le courant. Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, toi, ça te dérange pas? Ça te dérange pas, toi? Ça te dérange pas? Tu essaies de monter les enfants d'un pays les uns contre les autres avec c'est-à-dire des histoires à 2 balles, des histoires à dormir debout. Toi, ça te dérange pas? Ça te dérange pas, toi, dans ta tête? Ça te dérange pas? D'être un faux type, ça te dérange pas? D'être un menteur, ça te dérange pas? Toi, ça te dérange pas d'avoir, c'est-à-dire d'être la personne qui n'a pas d'avis? Toi, c'est toujours toi, tu commandes seulement les avis des gens. Toi, tu n'as pas d'avis. Toi, tu n'as pas d'avis. Toi, ta spécialité, c'est commenter les avis des gens. C'est quand quelqu'un parle, toi, tu viens, tu commentes. Toi, ça te dérange pas? Ça te dérange pas, jeune Guinéen? Tu es qui? Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Toi, tu as reçu quel genre d'éducation? Qu'est-ce que ton père t'a appris, toi? À quel point ton père t'a menti, toi? À quel point toi, ton père t'a menti pour que toi, tu t'asseyes et puis que ça te convienne? Tu vas pas à l'école. Tu n'as pas l'eau au robinet. Tu n'as pas l'électricité. Pour te déplacer, c'est compliqué. Et puis toi, c'est toi. C'est toi qui transformes tout en blague, toi ça te dérange pas? Toi ça te dérange pas? Jeune Guinéen, dans l'ensemble, dans la totalité. Pas Peul, pas Malinké, pas Soussou. Jeune Guinéen quoi? Toi ça te dérange pas? Comment tu vois la Guinée comme ça là? À quoi la Guinée ressemble aujourd'hui là? Toi ça te dérange pas? So wake up, réveillez-vous les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Repartez sur la page YouTube encore. Allez réviser vos cours. Allez réviser vos cours. Révisez ça et révisez ça très très bien. On a sorti Bismillah, c'est l'intro de l'album. Astaghfirullah, c'est l'outro de l'album. Entre, entre, entre. Vous allez découvrir l'album. Et vous allez découvrir ça avec nous. Mais j'espère que vous êtes prêts pour cette rébellion-là. J'espère que vous êtes prêts pour cette rébellion-là, tu vois. Parce que cette rébellion-là, elle commence d'abord toi, dans ta tête. Faut que tu te rebelles contre ta mauvaise mentalité-là. Tu vois? Après, dans ton cœur, il faut que tu te rebelles contre ta mauvaise foi. Il faut que tu te rebelles contre, c'est-à-dire ton côté fainéant-là. Il faut que tu te rebelles, c'est-à-dire contre ton analphabétisme-là. Et que tu te rebelles contre ta bêtise, ta propre bêtise, tu vois, si tu veux comprendre cet album-là. Faut déjà que tu sois prêt à faire toute cette rébellion-là.
d'abord à ton niveau, avant même qu'on sorte l'album. Sinon, t'es pas prêt, tu vois. Sinon, t'es pas prêt. Sinon, c'est le jeune Sénégalais qui comprendra l'album là. C'est le jeune Ivoirien qui comprendra l'album là. C'est le jeune Français qui comprendra l'album là. Le jeune Malien, ainsi de suite. Toi, jeune Guinéen, tu comprendras pas, comme d'habitude. Comme d'habitude, toi, tu comprendras pas. Tu resteras encore, c'est-à-dire, figé sur tes idées à deux balles là. Sur tes idées à deux balles là. Ouais. Toi, le progrès là, le progrès, c'est bon quand c'est les autres. C'est ça. Tu vois, si tu veux pas te rebeller contre ça, t'es pas le bienvenu dans l'album. Yeah. Mais si tu es prêt à te rebeller contre ta mauvaise mentalité là, ta mauvaise mentalité, lui là, il est en train de dire ça parce qu'il est peul. Lui là, il est en train de dire ça parce qu'il est sous-sous. Lui là, il est en train de dire ça. Gianni Alpha est en train de dire que Alpha Condé, c'est un mauvais président parce qu'il est peul. Si tu n'es pas prêt à lever ça de ta tête, n'écoute pas mon album. Il ne te conviendra pas parce que tu es quelqu'un qui ne veut pas aller de l'avant. Tu vois? Yeah. Ne l'écoute pas. Il ne te conviendra pas. Si tu n'es pas prêt à te rebeller contre la mauvaise foi là qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire les parties obscures, les parties sombres de ton cœur. Si tu n'es pas prêt à te rebeller contre ça, n'écoute pas mon album. Parce que tu n'es pas prêt pour le comprendre. Tu ne le comprendras pas. Ne perds même pas ton temps. Tu ne le comprendras pas. Yeah. Si tu veux rester prisonnier de ta lâcheté, prisonnier de ton hypocrisie, si tu veux refuser d'ouvrir ta tête et ton cœur au progrès, n'écoute pas ce que moi je fais, ça ne te conviendra pas. Yeah. Tu vas te sentir lésé. Tu vas te sentir lésé. So, that's what's up, wake up, jeune Guinéen, réveille-toi dans ta tête. Réveille-toi dans ta tête. L'album, si on me demandait genre de résumer mon album en un mot, je dirais amour. Tu vois, je dirais amour. Amour. Amour au nom de tout l'amour que Dieu me donne et qu'il me manifeste tous les jours. Amour que j'ai pour mon pays. Amour que j'ai pour ma famille. Amour. Amour que j'ai à ma foi en demain. Parce que moi, je pense que demain existe. Et je pense que demain sera meilleur. Mais avant que demain arrive, là, il faut que toi et moi, on accepte d'être meilleur. So, jeune Guinéen, wake up. Repars réviser. Repars, réécoute Bismillah. Après, tu écoutes Astaghfirullah. Après, tu remets Bismillah. Tu écoutes. Après, tu réécoutes Astaghfirullah. Révise bien pour être prêt. Comme ça, après, quand on va te balancer les trucs, peut-être que ton mental sera suffisamment prêt pour le comprendre.